Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième capsule sur le side-scrapping. Comme j'ai dit, évitement de côté. Ce qu'on recherche, c'est un obstacle, soit un cadavre de notre coéquipier ou une maison, une roche. On va sortir au 45 degrés en protégeant notre chenille intérieure. J'ai choisi le ISM. C'est du russe. Sont reconnus, le russe, comme je l'avais dit dans la première capsule, pour avoir un bon blindage espacé et puis être robuste pour le side-scrapping. Ce qu'on regarde en premier lieu, si on concède des tiers, parce que le feu va être plus fort, comme là je suis 8e, dans le heavy, il y a un E75, un type heavy, et puis T30. Donc des gros canons en side scrapping, ça peut arriver aussi que vous réussissiez pas à faire bouncer. Plus le plus ou moins 25% du wargaming qui fait en sorte que on n'est pas sûr de faire tout dévier ou. C'est pas grave si on fait des chenillés. Donc, si on y va de façon non pas de stress, c'est qu'on se met on, de façon facile, sans stress, parce que j'ai pas encore d'opposant. Je m'accote sur la maison ou l'obstacle. On se met au 45 et on recule jusqu'à temps qu'on monte pas le coin ici. Là, mon canon il pointe. Là, je suis au centre. La chenille là, il faut que si on est vu en face, comme ça, oups, j'ai changé d'angle, qu'on soit au 45. Vous voyez, j'étais au 45, et puis faut pas que je monte mon bas de caisse. Là, le bas de caisse, je le monte. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je me mets comme ça, et là, je zoome, et quand, une fois, je recule, 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 et là, comme ça. Comme ça. Donc, ce qu'on fait, on va aller aider à notre light, que normalement c'est pas sa job. On veut pas le nuire. Je vais essayer de faire mon side scraping. Merci. Je vais y aller. Et puis je vais mourir en angle. Vous voyez? On va en angle comme ça. On monte pas notre bas de caisse. Lui, ça va y tenter. Il est en angle. Le temps qu'on reload, ça donne absolument rien de prendre des chances. On est reloadé. Encore, ça touche la chenille, mais on a une opportunité de d'avoir. Bon, je viens de me faire tasser. Ça c'est le. On avait pris l'avantage sur déchaînier. Lui aussi, il fait du side scrapping. On le voit en face, le 75. Là, j'ai une opportunité d'aller chercher son angle, vu que je l'ai déchaînier. Puis d'aller chercher un point. Hop, je le déchaînier. Ça me donne rien, là. Ça me donne rien. On y va en angle. Comme ça. Là, il y en a d'autres. On peut y aller à d'autres. C'est pas juste lui. Ça donne rien de rester là. On va essayer de tirer ce qu'il y a à nous. Fait qu'on essaie de faire bouncer. Le 75, il bougera pas de là, là. Vous voyez? Par contre, on cache notre bas de caisse ici, en coin, en angle. On n'est pas trop anglais. Une petite. Je vais essayer de me mettre comme ça, puis on va essayer de le viser entre ses chenilles, lui. Il aurait fallu que je tire ici, là. Sur sa tourelle, là. Il me donnait sa tourelle de côté. J'avais 100%. Là, il y a quelqu'un qui l'énerve. Je vais pouvoir le tirer. Regardez. Là. Ah, les artilleries, on n'est pas immunisé contre ça. On bouge. C'est pour ça que je vous dis, je vais essayer de. Aussitôt que j'ai pas un gros équipage, si l'artillerie me. Je suis avant. Ok, je vais partir de là.
Parce que l'artillerie va retirer. Je vais changer, j'ai vu de où est-ce que venait l'artillerie. Je vais essayer de me positionner. Puis avoir un angle de plus de sur le 168.1. Hop, lui va me donner son angle, regardez. Hop. On se met en angle. Ça peut être bon d'un bord ou de l'autre. Là, je peux sortir de ce côté-là. Je suis protégé de l'artillerie. Et je me sors comme ça, ici. Le KTV, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt dans l'autre capsule. Je peux le tirer sur son coin au 45. Qui va aider. Le coin... Ah, là. On sort en angle. Il va voir, là, j'y ai fait mal. Il va voir me tirer. Là, ici, le coin-là, là. C'est du russe. C'est pas la pression escomptée. Déchaîner, c'est pas grave. C'est pas grave. Déchaîner, c'est pas grave. C'est le but du side-scrapping. On y va. Voilà, appuyer mon triangle parce que là. Nous sommes les derniers encore debout. Tout dépend de nous à présent. Ouais, là, je t'ai. Regardez, là. Ça, c'était. Comment je fais pour en venir? Ah, défaite. Oh, oui, comme ça. J'étais trop en angle. J'ai voulu aller lui appuyer. Il aurait fallu que je fasse un demi-cercle. Et puis, c'est quand même bon qu'on voit aussi que si on est trop anglais, j'étais quasiment au 90 degrés. En plus, il y a un obusier. Full pénétration. Donc, c'est à peu près un aperçu du side-scrapping ou l'évitement de côté. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben, un petit pouce en l'air, un abonnement. 12757, je suis aussi sur Twitch TV. Vous pouvez me suivre sur Twitch TV. Fait que je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée.